Salut les coureurs, aujourd'hui on continue notre format, j'analyse les plans de mes abonnés, sauf que au lieu d'analyser un plan théorique et que le gars a pas encore fait la course, là on analyse un plan qui a déjà été fait. Le mec a fait une excellente saison, il a pulvérisé son temps aux 5 km, son temps aux 10 km, mais aussi son temps au semi. Donc le gars en question c'est Adrien. Adrien il a été vraiment cool parce qu'il m'a permis d'avoir accès à son Strava, donc là je peux voir tout ce qu'il a fait durant cette saison de 19 semaines et c'est ce qu'on va essayer de décortiquer ensemble. Donc on va essayer de voir quelles étaient les bonnes choses dans son plan qui lui ont permis de pulvériser tous ses records, mais on va aussi essayer de voir quels seraient les trucs qu'on peut optimiser, mon avis sur certaines séances et qu'est-ce que Adrien pourrait faire par la suite pour encore continuer d'améliorer ses chronos. Ce qu'il faut savoir avant de commencer, c'est que c'est le coach d'Adrien qui a fait toute cette planif. Donc encore une fois, je vais prendre des pincettes, je vais y aller de mon avis et je vais surtout essayer de souligner à la fois le positif et le négatif. Je pense que c'est important. J'espère que cette vidéo vous plaira, que vous pourrez tirer des conseils intéressants. J'en suis pas mal sûr. Moi, en tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir à regarder le plan d'Adrien et vous allez voir, j'ai fait quelques petites statistiques. Je suis sûr que vous allez aimer ça. Donc c'est parti. Adrien, il avait fait une prépa de 19 semaines et le but, c'était de faire un gros chrono au 10 kg et un gros chrono au semi. Et je pense que en premier, il avait son semi-marathon et quelques semaines plus tard, il avait le 10 km de Houille qui était vers décembre, si je dis pas de bêtises. On va commencer ensemble par le début de sa prépa. Donc là, on peut voir autour de août que Adrien, il a pas beaucoup couru. Donc on peut considérer ça comme une coupure annuelle. En tout cas, c'est ce que je croyais jusqu'à ce que je coche toutes les activités sur Strava et que je me rende compte qu'en fait, il avait fait du vélo en tabarnak, comme on dirait au Québec. C'est-à-dire qu'en fait, il avait 555 km de vélo durant sa coupure. Du coup, on peut pas considérer ça comme une vraie coupure, mais en même temps, il a enlevé le stress mécanique de la course, donc pour moi ça marche. Ce qui compte, si vous faites une coupure avec beaucoup de vélo, c'est que vous fassiez du vélo tranquillement. Et là, quand on regarde les activités d'Adrien, ce qu'on se rend compte, c'est qu'il pédalait pas trop vite. Il était à 18,5 km/h. Alors oui, il a fait quand même des sacrés dénivelés. Je pense qu'il a dû bien maintenir sa forme grâce à ça. Mais au moins, il a préservé son corps des impacts de la course, donc c'est quand même positif. Par contre, si vous voulez faire une vraie coupure annuelle, c'est pas nécessairement ce que je recommande. Après, Adrien, j'ai pas assez de contexte pour dire si c'était une bonne chose ou pas. En tout cas, ses chronos montrent que ça l'a pas empêché d'avoir une super saison. Je vais vous montrer une seule fois le vélo que Adrien fait dans sa planif, puis après on regardera que la course, ça va permettre d'y voir plus clair. Donc si on regarde un peu durant sa prépa, il a fait quand même beaucoup de vélo, mais plus ça va et plus le vélo diminue. Donc là on voit encore un petit peu de vélo, ici deux sorties, puis vous voyez plus on s'avance et moins il y a de vélo. Ce qui fait vraiment du sens, si vous faites de l'entraînement croisé, je vous conseille de le mettre en première partie de votre saison parce que c'est pas spécifique, j'ai parlé de ce principe plusieurs fois, on veut pratiquer le sport dans lequel on veut être bon. Donc oui, le vélo peut vous aider, mais au bout d'un moment, le vélo ne sert plus à grand chose, du moins plus de courses vous aideraient davantage à performer. Après, il y a plein de façons d'utiliser l'entraînement croisé pour améliorer vos perfs, j'en parle un peu dans ma vidéo sur l'entraînement bicotidien, allez voir ça si vous l'avez pas vu. Avant d'aller en profondeur dans la prépa de Adrien, les trucs qu'il faut savoir sur Adrien, c'est que, bon déjà, il a 24 ans et il a 8 ans d'expérience en course à pied. Donc c'est pas le mec qui a commencé la course à pied hier, prenez ça en compte si vous êtes un débutant, essayez pas d'imiter ce que Adrien fait, ça prend beaucoup de temps avant de faire ce qu'il fait, même si Adrien fait pas un gros volume, il fait quand même beaucoup d'intensité, mais ça on va en reparler juste après. Au niveau de ses records personnels, bah regardez, on les a ici, 4.01 au 1500, 8.42 au 3000, 14.58 au 5 km, 31.05 au 10K et 1.09.23 au semi-marathon. Donc on est en présence d'un bon coureur de niveau régional. Vous voyez que ses temps sur cours sont assez proches des miens. Par contre, à mesure que la distance augmente, je suis un peu plus rapide que lui, probablement parce que je fais aussi beaucoup plus de kilomètres. Ça, on va en reparler. Autre truc intéressant, c'est au niveau du volume annuel. Vous savez que c'est une métrique que j'aime beaucoup suivre parce que déjà, d'une part, la science, elle montre que le volume annuel, c'est un des meilleurs prédicteurs de la performance. Et d'autre part, pour moi, c'est le meilleur signe de constance. C'est bien de faire des grosses semaines, c'est bien de faire des gros mois, mais à la fin, ce qui compte, c'est le volume que vous faites dans l'année et le volume que vous faites dans votre carrière. Donc là, on voit qu'Adrien, en 2021, il a fait presque 3000 bornes, donc c'est bon. Pour son niveau, c'est pas non plus énorme, mais on voit aussi qu'en 2020, il a fait à peu près pareil, un petit peu moins. En 2019, il a fait à peu près pareil, 3000. Et en 2018, je pense qu'il a fait sa plus grosse année à 3269. Depuis qu'il est inscrit sur Strava, on peut voir qu'il a fait 17 000 km. À mon avis, il a pas tout mis sur Strava, vu que ça fait 8 ans qu'il court, donc il a probablement fait plus que ça. Adrien, quand tu regarderas cette vidéo, essaye de nous mettre un petit commentaire avec les trucs que j'ai dit qui sont pas forcément vrais, rajouter un petit peu de contexte, c'est rajouter un peu de contenu complémentaire, je pinerai ton commentaire, ça nous permettra de mieux comprendre la situation. Surtout si je dis des bêtises, faudra me reprendre. Maintenant, on va retourner à son entraînement et on va voir comment il a préparé justement son 10 km et son semi-marathon. Donc comme je vous disais tout à l'heure, tout commence en août après avoir fait une coupure de course, mais quand même pas mal de vélo. Et le premier truc qu'il faut noter,
et que j'aime beaucoup en fait dans la prépa d'Adrien, c'est qu'il reprend très très progressivement le volume. Vous voyez là, 23 km, 28 km, 33 km, 50 km. En gros, le mec, ça lui prend un mois avant de retourner à un volume décent, on va dire entre guillemets, pour un coureur de son niveau. L'autre truc qu'il faut mentionner avec Adrien, c'est qu'il fait pas de séance de qualité avant un mois presque. En fait, c'est à sa quatrième semaine qu'il commence à faire de la qualité, avec notamment des 300 mètres avec une récup de 1,30. Ça, c'est un truc qu'on voit souvent chez les coureurs qui ont beaucoup de maturité, mais aussi beaucoup de sagesse, c'est qu'ils savent qu'en fait, une saison, c'est long, et si on commence direct à bourriner dès le début, bah, en général, soit on va être en forme trop tôt, soit on va pas tenir jusqu'à la fin. Ce que j'ai remarqué globalement dans sa prépa, c'est qu'il s'écoute. J'ai l'impression qu'il se pace pas avec sa montre, et ça, je veux bien que tu me le dises, Adrien. J'ai vraiment l'impression que t'es au feeling, parce que tes paces sont souvent très sensées au niveau physiologique. On en reparlera. Et le truc, c'est de la progressivité. Je vous ai fait un petit Excel qui résume un petit peu tout ça. Donc, ce qu'on peut voir, c'est la prépa de Aurélien en termes de kilomètres par semaine. Donc, vous voyez, première semaine, deuxième semaine, troisième semaine, quatrième semaine, tout s'enchaîne. Le volume augmente tranquillement. Il y a une belle courbe comme ça. À la huitième semaine, il baisse un peu son volume. Ensuite, on a un genre de période creuse. Alors là, je serais curieux de savoir si t'avais un petit bobo, t'étais fatigué ou si c'était fait exprès dans le plan, parce que c'est quand même une grosse réduction du volume, sachant que c'est dans les dernières semaines avant la course. Là, on a les deux plus grosses semaines, deux semaines avant ton semi où tu fais 1h09, et ensuite on a un taper. Personnellement, c'est à peu près le genre de cycle que je donne à mes coureurs. Maintenant, on va regarder sur Strava au niveau de ses séances. Globalement, tu fais beaucoup de travail de vitesse et des courts intervalles. Quand je dis courts intervalles, c'est en bas de 3 minutes, donc tu fais des 200, des 400, des 300, des 600, des 800, etc., etc. Donc souvent le mardi, et il arrive assez souvent que tu fasses 3 séances de qualité en une semaine. Ce qui montre que tu es un coureur d'expérience et que tu sais très bien doser ton effort, parce qu'en général, les débutants, à 2 séances, c'est déjà limite, parce que c'est très fréquent qu'ils aillent beaucoup trop vite, notamment sur des 400 mètres, où au lieu de faire du pace 10K ou 5K, ils vont faire du pace 1500. Je vais vous montrer un exemple de séance, par exemple 12 x 400. Donc là, il les tourne à une vitesse qui est vraiment raisonnable pour son niveau, 1,17, 1,11, 1,10. Pour lui, c'est assez facile. On va dire que c'est à peu près son pace 5 kg, notamment pour le 1,10. Le 1,17, c'est plus son pace semi ou même marathon. Ensuite, il fait des 1,8, 1,8, 1,7. Donc ça, c'est quand même rapide. Là, on va être sur du pace à peu près 3000 pour lui, voire un peu plus vite. Donc, on est vraiment sur du développement de VMA. Je vois qu'il fait beaucoup, beaucoup de VMA. Et vous allez voir que le fait que son entraînement soit orienté VMA, ça fait en sorte que son meilleur temps est aux 5000 mètres. On va regarder ça tout de suite en fait, parce que je trouvais ça intéressant. Vous voyez, j'ai fait l'équivalence de ses temps. Donc plus le temps est en haut, moins il est bon comparativement. Plus le temps est en bas, meilleur il est. Donc on voit que ton meilleur chrono, Adrien, il est sur 5 km, 14,59, et ton moins bon est sur 21. Pour moi, c'est assez logique que tu sois vraiment meilleur sur le 5, parce que ton entraînement est très orienté VO2 max, donc on va être sur des intervalles assez courts, et ton volume n'est pas très élevé pour un coureur de ton niveau. Du coup, on trouve une certaine logique dans tes équivalences de temps. L'autre chose que j'ai noté, c'est que, tu vois, ici, c'est toutes tes semaines, donc le volume hebdomadaire. Ta moyenne est de 64 km sur 19 semaines, ce qui est encore une fois vraiment pas énorme. Donc je suis assez impressionné par tes chrono, considérant le volume que tu fais. Il y a des gars qui courent deux fois plus que toi, qui ont pas du tout les mêmes chronos. Ça veut dire que tu as un certain potentiel. C'est aussi expliqué hein, par ton expérience. Ça fait super longtemps que tu cours, donc tu as accumulé pas mal de bornes. Mais à mon avis, ça pourrait être une piste pour augmenter tes temps sur 10 km, semi, et un jour si tu veux faire du marathon, le volume, ça va être indispensable. En termes de points IAF, ton chrono de 1,09, ça vaut 832 points, et ton 10 km, ça vaut 872. Donc ton 10 km, durant cette saison, il est vraiment meilleur que ton semi. En gros, là, si vraiment t'étais optimisé, tu pourrais probablement courir en bas de 1,08 si t'avais assez d'endurance et assez d'endurance spécifique semi-marathon. Ensuite, il y a un autre point sur lequel j'aimerais attirer votre attention, c'est la vitesse à laquelle Adrien y fait ses jogs. Pour un coureur de son niveau, ses jogs sont vraiment lents. Et là, je suis pas en train de dire que c'est une bonne chose ou une mauvaise chose. Je pense qu'Adrien, c'est un coureur qui se connaît vraiment bien et il a dû remarquer que c'est comme ça qu'il récupérait et que ça l'empêchait pas de progresser. Mais si on regarde par exemple ce jog là, 5,27. On regarde celui-là, 5,20. Celui-là, 5,15. Celui-là, 5,52. J'ai même vu certains jogs à 6 du kilo. Je saurais plus dire où ils sont. Mais clairement, un coureur de ce niveau, on dit à peu près qu'il peut courir autour de 4,15 pour un easy jog, un jog de récup peut-être plus autour de 4,30. Avec ce genre de volume en plus qui est pas trop important, on pourrait s'attendre à ce que ton pace de jog soit plus rapide. Mais écoute, ça semble marcher pour toi, mais je pense que comme t'es un coureur à mon avis orienté vitesse, que tu dois avoir une bonne vitesse de base, le fait de jogger lentement doit pas du tout handicaper ta capacité à courir vite, ce qui pourrait être différent pour un coureur qui a plus de misère à courir vite même sur un 400 mètres. Donc la leçon à tirer de tout ça, c'est qu'il n'y a pas d'allure magique, il y a des allures qui fonctionnent pour chaque type de coureur.
d'accord. Toi, tu sembles avoir trouvé la recette. Du coup, bah, continue comme ça. Et pour les autres, essayez pas non plus d'imiter ces pace-là. Peut-être que vous allez courir plus vite alors que vous êtes moins rapide sur des compétitions. Et ça pourrait être tout à fait correct. Il y a des coureurs hein, comme Navarro, Nicolas Navarro, qui a fait 12e aux Olympiques au marathon. Lui, il va courir souvent autour de 5,30, 6 du kilo. Après, le mec, il borne 200 km, parfois plus par semaine. Donc, ça fait du sens. Hein. Plus tu fais de kilomètres et plus ton pace de jog, il va ralentir parce que tu vas être tout le temps scrappé, tu vas être tout le temps fatigué, courbaturé, etc. Ensuite, les autres trucs que je vois dans ton plan, c'est que tu fais quand même des séances longues. Donc, en termes de quantité, j'ai compté que tu avais fait 25 séances courtes dans ta prépa, c'est-à-dire moins de 3 minutes, les intervalles, et tu avais fait 11 séances longues dans ta prépa. Donc ça veut dire qu'il y a quand même un parti pris pour les séances courtes. Faudrait voir au niveau de ton coach la philosophie qu'il a et tout. Personnellement, c'est pas la philosophie que je préconise quand on veut développer un coureur sur du semi et du marathon. Je sais pas si tu veux faire du marathon, mais si c'est le projet, je pense qu'à terme, tu auras besoin de plus d'intervalles longs. Peut-être 50-50, parce que tu as l'air déjà très optimisé au niveau VO2 max. Les études scientifiques le montrent, la VO2 max, elle va presque plus bouger pour des coureurs de ton niveau en fait. Donc ce qui va te permettre de courir plus vite, plus longtemps, ça va être d'améliorer ton économie de course. Et comment tu améliores ton économie de course? 1. Le volume. 2. Plus d'intervalles longs. Et 3. Plus d'endurance spécifique au pace de course visé. Mais ça, je pense que tu le fais déjà bien. Après, il y a des séances mixtes que tu fais que j'aime bien, c'est-à-dire mélanger des courts et des longs intervalles. Tu fais pas mal de pyramides, notamment le week-end. Donc là, on voit 2, 3, 4, 5, 5, 4, 3, 2. Perso, c'est les genres d'entraînement que j'aime bien parce que tu mélanges beaucoup d'allures. Donc tu travailles un petit peu toutes les qualités. Au niveau des allures et de l'exécution du plan, je pense que c'est là où est ta grande force. J'ai l'impression que t'es pas un coureur qui s'enflamme, qui va essayer de faire des temps de ouf à l'entraînement, mais t'es plutôt un mec qui va rehausser son niveau en compétition. Et ça, c'est parce que selon moi encore, tu t'entraînes honnêtement, tu fais les pace et t'essayes pas de faire des trucs de dingue, alors qu'avec ton niveau tu pourrais hein, sortir des séances super impressionnantes, mais tu le fais pas. Et ça, c'est un truc que j'admire beaucoup chez les coureurs. Par exemple, cette séance, tu fais du 3:22, 3:16, 3:17 sur des 2, 3, 4 minutes, alors que tu pourrais aller beaucoup plus vite. Mais ce que j'ai remarqué, c'est que tu restais toujours autour de ton pace anaérobique. Du coup, je sais pas si c'est voulu ou si c'est ton coach qui se prescrit cette allure, mais le fait de entourer ton seuil anaérobique, on sait que ça va avoir d'énormes bénéfices sur l'endurance, et c'est un pace qui est très utile quand on fait du semi-marathon. Donc le pace anaérobique pour toi, c'est à peu près 3:20. C'est environ le pace que vous pouvez tenir sur une heure d'effort à fond. Donc pour un élite, ça va être un semi, mais pour un coureur d'un niveau un petit peu inférieur comme 40 minutes ou 10 km, ça va plus être le pace 15K. Pour Adrien, là, ça va être entre les deux, peut-être le pace 17-18 km. 3:20, c'est vraiment l'allure parfaite pour toi, à mon avis, pour développer cette endurance. Vous voyez, par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure, que l'exécution du plan était vraiment bonne chez Adrien. Je prends cette séance, c'est des 6 x 400 et des 200. Les 400, il les rentre en 1:15. 1:15, c'est à peu près 3:06 si je dis pas de bêtises, c'est à peu près proche de son pace 10 km. Et des coureurs qui font des 400 à leur pace 10 km, j'en connais pas beaucoup. En général, les coureurs, ils vont faire minimum leur pace 5000, si ce n'est 3000, si ce n'est 1500. Et pour moi, c'est une grosse erreur. Je pense que quand on est un coureur de 5, 10 et plus, faire des 400 pace 1500, ça n'a pas vraiment d'intérêt. Sauf peut-être le plus gros entraînement en mode spécifique, mais là encore, j'ai des gros doutes. Adrien, toi, tu fais toujours des pace qui font du sens. Et un autre truc que j'ai remarqué, dont vous pouvez vous inspirer, et personnellement j'essaye de le faire aussi, c'est que tu fais toujours des répétitions progressives. Tu commences toujours plus lentement et tu finis vraiment plus fort. Alors que si tu commences super fort, en général c'est le genre de séance qui se passe mal, parce que dans ce cas-là tu as deux possibilités. Soit tu continues d'essayer d'avoir le même pace, mais du coup la cote d'effort elle explose parce que ça devient juste trop difficile. Soit tu finis la séance plus lent, c'est pas une super habitude parce que dans une course tu veux pas partir trop vite pour craquer en plein milieu de la course. On voit que tu as l'expérience et franchement c'est un truc que vous pourriez vraiment copier si vous regardez cette vidéo. L'exécution du plan, c'est souvent plus important que le plan qui a marqué en théorie. Et c'est d'ailleurs le plus dur à faire hein, parce qu'une séance de 10 x 400, tout le monde peut la faire. Par contre, bien faire une séance de 10 x 400, ça prend vraiment des années. Personnellement, ça m'a pris des années. On retourne un peu sur le Excel que j'ai fait pour résumer un peu ta saison. Ce qu'on peut voir, c'est que tu as eu une belle progression. Tu as tapé ton 1h09 après 2 semaines de surcompensation, c'est-à-dire plus haute en volume et en intensité aussi. Là où tu as été intelligent, c'est qu'après ton 1h09, tu as pris une semaine très très faible en volume pour assimiler. Par expérience, je peux vous dire que ça prend entre 7 jours et 10 jours pour complètement récupérer d'un semi-marathon qui est couru à 100%. Là, toi, tu l'as bien fait. Et après, tu es remonté direct très haut parce que tu sais qu'il te restait que 4 semaines avant ta course. Là, tu as fait 3 belles semaines, crescendo.
Et là, tu as fait un mini taper. Donc pour un 10, il n'y a pas besoin de faire un gros taper. Une semaine où on baisse un peu le volume, ça suffit. Et tu as tapé ton 31.05, qui est à mon avis une de tes meilleures perfs depuis que tu cours. Donc 31.05, ça commence à être solide, c'est du 3.06. On va aller voir sur Strava. Donc voilà, là on est sur ton 10 kg, 3.06. On voit que tu es parti quand même vite sur des bases de 30 minutes. Tu as ralenti un petit peu au 6 et au 7e. Et le 9e kilo avait l'air d'être un peu plus dur. Maybe tu manquais un peu d'endurance. En tout cas, c'est ce que ça semble montrer. Mais le chrono est exceptionnel. Tu es passé en 15-19 au 5 kg, c'est-à-dire à 20 secondes de ton record personnel. Fait que ta forme semblait être pile au bon moment, bien timée avec ta course. On n'a pas regardé ton semi. Je vais vous montrer son semi aussi, qui est assez impressionnant, qui est ici. Donc la veille de son semi, il a fait à peu près 6 km, donc 30 minutes. 30 minutes, c'est vraiment parfait. C'est souvent ce que je fais avant une course, avant mon marathon, avant un semi, avant un 10. Avant un 5, je fais un peu plus en général. Mais 30 minutes, vous pouvez pas vous tromper. Il n'y a plus de gains à aller chercher la veille. Il y en a qui aiment bien courir, il y en a qui aiment pas courir. Personnellement, j'ai toujours eu des meilleurs résultats en courant la veille. Psychologiquement, ça me rassure. Et au moins, je sais que mes jambes, elles sont dans un bon état. Après, c'est très individuel et tout. Donc sur son semi, au niveau de l'allure, globalement, t'as vraiment maintenu tout le temps la même allure. T'es peut-être parti un peu vite sur ton premier 5. À mon avis, si t'étais parti un peu plus lentement sur ton premier 5, t'aurais peut-être fini un tout petit peu plus fort, mais en même temps, t'as déjà fini quand même assez fort. Je pense que ça a été le milieu de la course le plus dur. Après, je connais pas la course, ça se trouve, il y a des montées, ça se trouve, il y a des descentes, enfin bref, tu pourrais le mettre en commentaire si tu veux mettre plus de détails là-dessus. Mais voilà, la course a été bien gérée, la forme était là, fait que tout a bien été dans ta saison. Finalement, je vous ai préparé un dernier Excel, et je suis allé regarder en fait ce que Adrien il a fait les semaines avant d'avoir fait cette saison. Donc j'ai regardé chaque semaine que je vous ai mis ici. Donc ce que vous voyez à droite, en fait, c'est la saison dont on a parlé, les 19 semaines avec deux gros PB. Mais il avait aussi fait un gros PB sur 5 km tout début de l'année 2021. Et si on regarde, on voit que les plus grosses semaines qu'il a faites ont été durant le début de l'année 2021. Et c'est la meilleure performance de ta vie en termes d'équivalence. Tu as fait 15 minutes ou 14.58, je me souviens plus. Ce qui correspond à sub 1.08 sur semi-marathon avec un bon facteur d'endurance. Et qu'est-ce que tu avais fait pendant cette saison ? Énormément de volume, en fait. Tu étais beaucoup plus constant en termes de volume. Et ce qui est intéressant, c'est qu'avant de taper ton 15 minutes, tu avais fait ta plus grosse semaine de l'année. Je pense que tu avais fait 110 km et là, tu as fait ton record personnel. Et c'est intéressant parce que personnellement, j'ai déjà vécu la même chose. C'est parfois après mes plus grosses semaines que j'ai fait mes meilleures perfs, que ce soit aux 5 km. Au marathon, ça prend de faire sa plus grosse semaine deux semaines avant. Mais un 5 km, vous pouvez faire votre plus grosse semaine juste la semaine d'avant parce que c'est que un 5 km. Et du coup, c'est pas grave d'être un peu fatigué parce que la course est juste plus courte. Donc pas besoin de récupérer aussi longtemps que pour un marathon par exemple. Ensuite, au milieu de l'année, tu as couru moins de volume, mais j'imagine que tu as pu te régénérer, et ensuite tu as réaugmenté ton volume. Donc si toi ton but c'est de faire du 5 km et du 10 km, je pense que ton entraînement il est bien. D'ailleurs, à mon avis, il est orienté vraiment 5 et 10 parce que tu as beaucoup beaucoup de travail à allure courte quand même. Si ton objectif dans le futur c'est plus de faire du semi et du marathon, je pense qu'il y aurait deux trucs principalement à changer. En fait, trois. Le premier, ça serait de faire plus de séances longues, donc plus de séances avec des intervalles de 3, 5, 10, 15 minutes à allure marathon ou même seuil aérobique, donc un peu plus lent que le marathon. Deuxième truc, je vois que tu fais pas beaucoup de séances longues. Les sorties longues, c'est pas obligatoire, mais si tu commences à te mettre sur le marathon et le semi-marathon, dans ce cas-là, les sorties longues sont vraiment importantes. Et je pense que par rapport à ce que tu fais, les sorties longues avec une intensité quand même élevée du genre 4-15 pourraient vraiment te donner un gros gros boost d'endurance. En fait, je le dis souvent, mais le meilleur entraînement que vous pouvez faire, c'est l'entraînement que vous ne faites pas. Parce qu'à force de faire toujours la même chose, ça va être beaucoup plus difficile de progresser. Le troisième truc que tu pourrais faire, tout simplement, c'est augmenter ton volume. Pour un coureur de niveau régional, tu fais pas un gros volume et c'est vraiment une bonne nouvelle parce que comme tu fais déjà des gros chronos avec 3000 km par année, si mettons tu montes à 4000 km par année, à mon avis tu devrais encore voir un nouveau plateau. Et là, le nouveau plateau, ça pourrait être pas loin du sub 30. À mon avis, c'est réaliste en un an. Et voilà, j'ai terminé avec cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Dites-moi si vous voulez que j'aille plus en profondeur, je pourrais, mais je pense qu'elle est déjà assez longue. En tout cas, j'ai eu beaucoup de plaisir, Adrien, à regarder ton entraînement. À chaque fois que je regarde un entraînement, j'apprends des trucs. Ça remet parfois mes croyances en question. Bien sûr, je vous donne des conseils par rapport à ce que j'ai vécu, ce que je vois avec mes athlètes. Il n'y a pas de vérité dans l'entraînement. Vous voyez là, Adrien, il arrive à tourner bien avec un volume assez faible. Est-ce que ça veut dire qu'il tournerait pas mieux avec un gros volume? C'est difficile à dire. Moi, je pars toujours du principe que si on arrive à assimiler plus de charges, à un moment, c'est juste mathématique. On court plus vite, et notamment sur les longues distances. Donc voilà. Si Adrien, t'as des commentaires, des trucs à rajouter,
fais un commentaire sur la vidéo, je vais le pinner, ça va permettre à tout le monde d'avoir plus de contexte. En attendant, continue à m'envoyer vos plans, et si vous m'envoyez vos Strava, mettez bien des annotations pour que ce soit clair, les séances et tout, sinon c'est un peu compliqué pour moi de savoir. Et moi, ça me fait vraiment kiffer de regarder vos entraînements sur Strava et de vous donner des conseils, c'est un truc que j'aime bien. Donc si le format vous plaît, ça me fera plaisir de continuer. Merci à tous de m'avoir écouté, on se voit la semaine prochaine dans une prochaine vidéo. Ciao.